Ah oui, je vois que tu as rejoint le tour 1. Alors c'est parti pour le tour 1. Donc 54 cartes quoi, un jeu de cartes normal quoi. Jusque-là ça va, tu vois. Tu poses le jeu sur le côté, puis ce qui va nous intéresser maintenant, bah c'est 4 cartes. Donc t'as un roi de cœur, une dame de pique, et t'as deux cartes retournées que je te montre maintenant. Donc t'as le roi de cœur avec le 8 de pique. Et la dame de pique avec le 9 de cœur. Tu vois, jusque-là, ça va. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que... Oh, bah, tout d'abord, tu vois, tu retournes les cartes comme ça, histoire que tu aies la dame de pique et le roi de cœur face visible. Mais lorsque tu fais... Toc, t'as un roi de cœur. Et juste en faisant... Et bah t'as deux... Enfin voilà, t'as... Oula. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux fois les mêmes maintenant. Mais où sont passés le 8 de pique et le 9 de cœur? À l'intérieur du jeu. Et tout est là, mes chers amis. Alors, je vais pas vous laisser ça comme ça, on va passer à l'explication. Allez, c'est parti. Alors, pour l'explication, tu prends un jeu de cartes, tu mets ton 9 de cœur, ton 8 de pique face retournée à l'intérieur du jeu, et tu prends bah, une dame de pique, un roi de cœur. Et deux autres cartes, sachant que le 8 de pique et le 9 de cœur sont toujours à l'intérieur du jeu. Et regarde ce que je fais, tu vois, tu recouvres les cartes comme ça. Donc tu essaies de passer ton doigt tout en laissant les cartes bien cachées. Et tu as l'impression que toutes les cartes sont dans le même sens. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, tu vas utiliser une dame de pique et un roi de cœur. Mais les deux autres cartes, en fait, sont dame de pique et roi de cœur. Il va te falloir te procurer... deux cartes truquées, donc au dos de la dame de pique et du roi de cœur, bah tu as deux autres cartes, c'est une carte à double dos quoi. Et bah je te laisse regarder et tu finiras par comprendre comment ça fonctionne quoi.